Alors, petit résumé. Avant qu'on commence, pour ceux qui connaissent pas, Fear Effect. Alors, par contre, je sais pas si je vais jouer à la manette ou au clavier, on va voir. Fear Effect, 2000 et quelques, je crois. 2001, peut-être un truc comme ça, faudra que je regarde. Il y a eu Fear Effect 1, 2 sur PlayStation 1. C'est peut-être un peu plus vieux en fait. Après, il y a eu un Fear Effect 3 qui avait été annoncé, mais qui avait été annulé. Il avait même, je crois qu'il y avait même une vidéo sur à l'E3, je sais pas quelle année. Il devait sortir sur PlayStation 2 et je crois qu'il a été annulé. Enfin, il a été annulé pour du bon, mais je crois que c'était PlayStation 2. Et après, bah, la franchise elle est morte quoi. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien pendant un petit moment. Et un groupe donc, qui s'appelle Sushi, des développeurs, se sont dit tiens, on va reprendre Fear Effect Senna. Bon, Fear Effect appartient à Square Enix par contre. Donc Square Enix leur a donné un peu d'argent, tout ça. Enfin voilà, ils les ont aidés. Je crois qu'il a été aussi en Kickstarter donc pour aider la campagne. Et bah du coup bah, on a un jeu. Bon, il est très différent des de Fear Effect des anciens, mais il avait l'air pas mal quand j'ai joué à la démo. On espère que ça garde encore en tête l'esprit de Fear Effect 1 et 2, en tout cas. C'est mélange de gore, mélange de d'humour noir surtout. Il y a des scènes un peu... Il y a de la nudité, hein, quand même. De la violence. Bah, tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on aime. Game language. Bon, bah... Ah, il y a français. Oh, putain, j'avais peur qu'il y ait que anglais. Mais en fait, non, ça va. J'ai pas besoin de traduire. Curseur, manette, sous-titres, oui, désactiver le sang. Fuck no. Configuration de clavier. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Normalement, je vais jouer à la manette, je pense. La manette, ça devrait être bon. Ça ne devrait pas être très dur. Fait que j'ai une amnésie sur ce jeu. Fear Effect, ce sont des bons jeux. On les fera peut-être. Au pire, un jour. Un jour. En ultra, le jeu demande rien. Il fait même pas 5 gigas. Hein. Il fait 4, je sais pas. Ajusté, plein écran. Ouais, on est bon. C'est quoi les bonus? Ah, truc caché à récupérer. Okay. Bon, c'est parti. C'est parti. Salut Manti, bienvenue. Let's go. Not interested. You're dead. They are all fucking dead. What the hell? Guts? Fish guts? Shit, show yourself. Show yourself! Hello? Excuse me. I was waiting for someone and... Ah, there she is!
If they're all morons like this one, we should be home for dinner. Oh. Special meal? The sushi bar phone number is on my desk. Ah. Clear. Ready? I'm right behind you. Yay! On commence. Menti, je me suis fait rembourser Final Fantasy XV. Juste au passage. The target will be in the back room. Surrounded by his fellow creatures. They're all for show. Alors on fait une équipe de deux. Ça va être un tutoriel surtout au début, je crois. Donc Stay here. Hop, hop. Y, c'est le soin. Cool. Hop, roulade. Comment on lui dit de revenir avec nous? Recharge. Viens avec nous. Follow me. Follow me. Ok, c'est bon. Furtivité, appuyez sur L1 dans votre furtivité, réduire le bruit, la visibilité de votre personnage. Oui, je sais. There's someone. He's turned and alone. I'll ambush him. Watch my back. Watch my back. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux l'en... Tu veux que je passe par où? Ah. Ah. Let's go. On est seul. Cible de R, maintenez R pour tirer, appuyez sur R pour recharger manuellement votre arme, recharge automatiquement, recharge vide, appuyez sur B pour effectuer une roulade, pour une roulade, les dégâts vous recevez sont réduits, ça marche. Fuck that, tax never pays. Bring it on. Don't keep the fun part all to yourself. Sorry, I'd love to share, but this door is not cooperating. Did you ask nicely? Nearly. There's nothing I can do from here. I'll go and check the other way. Security systems offer no resistance to me. I'll save the princess. Good luck. Bon, c'est exactement le même début que la démo, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Comment on change de perso comme ça? Ok, ça marche. Faire le tour avec elle, je crois. Non, mais pour Final Fantasy XV, ça m'a fatigué en fait de le faire. Donc bon, voilà. Hi guys, no time to play. Wanna try my taser? Ah oui, elle a un taser. Oh shit, that was close. Peur. La peur influence les formes de faiblesse de votre personnage. Plus le niveau de peur est élevé, plus vous ferez de dégâts. Mais votre résistance sera amoindrie. D'accord. La peur augmente lorsque votre personnage est blessé, encerclé ou qu'il fasse un événement stressant. Ok. Ça va commencer. Normalement, ça commence doucement. Genre, il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais. Mais après ça va être bien, enfin j'espère que ça va surtout ressembler aux anciens Fear Effect. Donc ça risque d'être cool. On risque de voir des poitrines. D'ailleurs rien. Look, I found the princess. You'll have your reward. Meanwhile, how do we proceed? We just need to push the button at the same time. I expected something tough. So much disappointment. Ah, c'était pas du tout au même moment, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas exactement pareil que la démo. Non, c'est pas exactement pareil. You're done.
That's a relief. This place is a pool of blood. You look pale. You okay? Il y a plus de combats. Il y a beaucoup plus de combats. Scratch. Batterie. Truc rebondissant. Balle rebondissante. D'accord, ça marche. Who's the king of the party? Tactique. On entre en mode tactique puis sur un peu en mode tactique. Donc ça va être... Alors oui, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus tactique avec cette, ce gameplay, avec cette vue. Annulez vos ordres LT. Lorsqu'il y a vu sur nouveau, tous vos ordres sont validés, le mode d'action reprendra. Ok. Rather a queen. Attends, comment je reviens en arrière? Là, je fais ça. Elle, par exemple, elle se met comme ça. Hop. Hop. In red. Hey, good evening, guys. Ok, cool. Ça marche. Je vois personne, par contre. Donc, je vois pas trop pourquoi on a le mode tactique. Let's go. C'est peut-être qu'on les a alertés en fait, c'est pour ça. I found the tough job. What's that? It's a booby-trapped cargo. Shit, how do we defuse it? Question super importante, est-ce qu'on soit en couple? Je pense pas, sauf que Anna est complètement bi. Elle est bi. Donc, pour être honnête, connaissant la série, elles couchent sûrement ensemble, oui. Parce qu'elles sont amies. Les amis couchent ensemble. Wait for me here. Wait for me, ok. Ok, alors ça, je me rappelle. On a le rouge ici. Alors, par contre, comment on sauvegarde? C'est sauvegarde automatique. D'accord. On a le rouge ici. On a une autre couleur, je sais pas où. Deux. Ok, ça marche. Salut Pteron. Ouh, Pteron aime bien Fear Effect. Ok, donc on a bleu 2. Vert, c'est le 2 et 3. Et après, on a le rouge, là-bas. 3 et 1. Okay. Alors, vert 2, 3. Ok. Yeah, on y arrive, les puzzles, on a joué à Resident Evil, on sait comment ça marche, les puzzles, rouge 3 et 1, rouge, alors 3, ça arrive à tout le monde. Alors, je sais pas pourquoi. On était pourtant bon. Wait for me here. On est reparti. Bon, rouge 3 et 1, on est d'accord. On va le faire en dernier. Le bleu, c'était quoi? J'arrive pas à voir, c'est trop noir. Salut, Wrong Turn, bienvenue. Allumez les lumières. Parce que je veux voir le signe à côté, en fait. 2.
C'est juste le 2 en bleu. Oh. Ah, ça a sauvegardé quand j'ai fait bon avec le vert. Bah du coup le rouge c'est quoi alors? Parce que bon, c'est ça, c'est bien ça, c'est 3 et 1. Donc ça c'est 3, ça c'est 1. 3 et 1. Well done. Cargo is saved and competitors are ruled out. Enough for today. Let's go home. Un peu étrange. Je vois pas pourquoi on a pété en fait. Il y avait peut-être un ordre, bon. Another good payday. It was quite fun. Does your arm still hurt? The payday is mitigating the pain. Story of my life. Ours. We should buy a rooftop flat. But we wouldn't take the lift anymore. Good point. You don't like it anymore? Too long in one place gets me. You know. Places. Okay. What about people? Like weapons and clothes. Once I find something I like, I stick with it. Il faut que tu le fasses aussi dans l'ordre de couleur, c'est pourquoi ça flash. Je le savais complètement. C'est juste que j'ai décidé de l'ignorer. Merci. I'm going. Watch my back. I'll follow. Oh mon dieu, tuez-le. Last idiot that broke into our place left out the window. And it's a long way down. Forgive the intrusion. I am unarmed. Even if that is a lie, it's about to be the truth. Who the hell are you? You have 30 seconds before I shoot you down. Then to the point. I'm here to offer you a mission. A very well paid mission, I might add. We don't take missions from people infiltrating our home. Let me introduce it. Choice is yours. 30 more seconds. Here's the target. Loves antiques. He owns a statuette that we would really love to have. We aren't thieves. Want one of those? Try them all at lunchtime. You are mercenaries, which means we can agree on a fair financial arrangement. That makes you trustworthy persons. Depends on the financial arrangement. Who's the ex? The Chinese ambassador to France. Embassy? And embarrassments. Triad's manners. Brilliant. That's why we need your skills to take him out and get the statuette. I've left my number and your number on the tablet. Please consider one and then contact the other. Let's keep an eye out. He might have forgotten something. Ooh, on a une mission. Okay. C'est un peu le bordel chez eux, non? Totem. On a eu un totem. Bon, on regardera ça plus tard. Eh mais les... Elles ont pas 16 ans quand même. Elles peuvent pas ranger, non? Nothing special here. Quand même. Wait for me here. Wait for me. Aha.
It looks like he didn't touch anything. I don't see anything left. He came alone and empty-handed. Good news, I guess. He beat the security system. He's more than just a mouthpiece. And he's got money, a lot of it, which he is willing to give to us. I don't know. Doesn't smell good. But didn't stop you before. It's really well paid. And besides, I'm pretty sure I have already met this guy. Which one? The ambassador. He reminds me of someone. Someone I had to fight against. I'm just not sure. It's not really his face. It's more... Sounds even worse. Yep. Wasn't a mission. Don't tell me that was in hell. Who knows? That's why I'm so curious. Why would the Triads have any interest with this one? No doubt you want to go now. I never took you to Paris. It's time. And a good occasion to discover my birthplace. And infiltrating an embassy. What a wild weekend. I like when you go wild. Because I'm wild and woolly. More seriously, we should ask for support. Who were you thinking about? Deke. We haven't worked together for a while, but I'm sure he'll be in for this mission. Anyway, he always needs money. A trip to Paris with you and Deke. How romantic. Vous la sentez, la tension sexuelle ou pas, là? Ou c'est pas assez évident encore? Ah, vous me le dites, hein. Parce que là, bah, ça y va. Apparemment, Anna est née à Paris. Ah. So let's sum everything up again. Rain and I will access the embassy via the rooftop. Deke will be introduced as a servant. Obviously, my resume was perfect for this mission. You'll look amazing with an apron, as usual. Rain, you'll have to get rid of security drones before I climb. I already have everything I need to know about their system. I'll be quick. You'll cover us from the roof, and I'll get into the offices. Deke, you'll gather as much information as possible from guests and hosts. We'll stay in contact and join when we're sure where the statuette is. I'll bring your weapons. Pity we couldn't find where it is now. I'm sure you don't want to miss the party. True. French girls. Don't even look at her better half. Once I have the statuette, everything will move quickly. We will go out from the south offices so Rain can focus on our target. All the rooms for the party are on this side. There's no way the ambassador can escape from your sight. If something goes wrong, I'll deal with it. Not on your lonesome, Sheila. Dealing with problems is why I get out of bed in the morning. And it brings in the money. Oula. Faut un peu baisser, faut un peu ouvrir, non? C'est stylé, ça. I'm set up. I see the technical room. Guards are on their way. Okay, be careful and stay hidden until you enter that room. Ah ouais, d'accord, okay, ok, cool. Je peux recommencer? Je pense qu'on va beaucoup crever dans le jeu. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Quoi. Je sens que toutes les morts, on va les voir. I'm set up. I see the technical room. Guards are on their way. Okay, be careful and stay hidden until you enter that room. Je peux l'attraper quand il passe. Yeah. Oh non. C'est rien, il s'est évanoui. Il est trop bu. Il
J'ai l'impression de rejouer à Metal Gear Solid, quoi. Ça tue. C'est quoi ce truc? On est rentré. Ce sont des genoux mécaniques. I'll connect my device. It'll be quick. Let me know when you're ready. Si je m'y connais en PC, ouais, je sais ce que c'est un clavier et une souris, ça va. De la géométrie. Mon pire cauchemar. Qu'est-ce qu'on va faire? Les formes correspondent en fait. Ah ah. Tu te fous de ma gueule, c'est pas assez bon. Ah oui, non. Un. Ah! Ok, 1. J'arrive pas en fait à voir les. On va attendre, tu vois. Là, il y a un... Ah! Si. C'est bon. J'ai ma carte de vie qui grésille. Seulement et seulement lorsque je lance un jeu. Qui grésille. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Non, je... Qui grésille. Je vois pas. Est-ce que ça pourrait être une mauvaise connexion? Quelque part. Ah! Enfin, je crois. On est bon. Done. Drone's out. You can go inside. Don't tease me. I see a perfect spot on the roof to hide out. Ouh, attention. C'est toujours, ouais, c'est toujours drôle les systèmes de sécurité dans les jeux vidéo comme ça. Avec des sortes de codes, des figures géométriques pour pouvoir accéder à l'ordinateur. Non, un léger bzzz. Non, je vois pas. Oh, oh. Est-ce que tu peux tirer dessus? Ah
agent de sécurité. Ah ouais, tu peux tirer dessus. Non, le fais pas. Comment on fait pour revenir? Okay.